Le producteur, il est choisi à se demander, je prends-tu le fusil un matin avant d'aller à l'étable ou bien je vais essayer de garder mes bâtisses. C'est vraiment grave ce que les gens vivent, là. Cécilien Berthiaume veut sauver les exploitations familiales. Au lieu de réduire la production d'1 million de porcs, il propose d'envoyer 350 000 porcs dans des abattoirs américains. Que le gouvernement accepte qu'on puisse se regrouper pour vendre des porcs à l'extérieur, à l'intérieur de notre système actuel. Il en a fait la demande à la Régie des marchés agricoles, une solution qui sourit aux producteurs qui se sont déplacés pour l'entendre. Toutes les solutions peuvent m'intéresser si ça me permet à ma famille de continuer de vivre l'agriculture. Moi, je pense qu'on devrait aller de l'avant s'ils peuvent transporter ça. Le coût du transport est un défi. Cette activité-là va avoir un coût. L'objectif de ça, c'est de garder les fermes existantes. C'est pas un objectif pour les 20 prochaines années de détourner un gros volume de porcs aux États-Unis. Mais en attendant, on va appeler ça un programme de détournement temporaire. On peut l'appeler comme ça. Les éleveurs de porcs du Québec vont étudier cette proposition. C'est sûr et certain qu'on va l'analyser, puis c'est sûr que notre but, c'est que les producteurs reçoivent le meilleur prix possible à la ferme. Mais après ça, on joue sur le terrain avec des vraies règles, la vraie vie sur le terrain. Puis le transport, c'est difficile de trouver des entreprises qui peuvent faire du transport sur des longues distances, disons-le. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, estime que c'est à la Régie des marchés agricoles de se prononcer sur cette option. Ici Guylaine Bussière, Saint-Elzéar, en Beauce.